pas de feu d'artifice pour la première réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Sous l'égide de son nouveau gouverneur, le Canadien Mark Carney, l'institution monétaire a laissé inchangés ses taux d'intérêt directeurs. Le communiqué de la Banque centrale britannique note juste l'actuelle hausse des taux d'intérêt obligataires qui pourrait peser sur ses perspectives d'inflation et de croissance. Du côté de la Banque centrale européenne, le statu quo a également été maintenu et son principal taux d'intérêt directeur reste à 0,5%. On attend maintenant les déclarations de son président Mario Draghi au cours de la traditionnelle conférence de presse et notamment sur son appréciation de la crise portugaise. Les analystes s'attendent à ce que la BCE rassure sur son soutien à la zone euro alors que la situation au Portugal a provoqué un regain de tension palpable sur les marchés financiers ces derniers jours.